Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Au milieu de tant d'événements extraordinaires, salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Jeudi, ne manquez pas le film de John Frankenheimer et Arthur Penn, Le Train, sorti en 1964, à 20h au cinéma Juliette Berthaud. Ici, retour en 1944, le colonel von Vandheim fait évacuer des tableaux de maître du jeu de paume pour les envoyer en Allemagne, mais un cheminot résistant est chargé de conduire le train transportant ses objets d'art. Cette séance est organisée en partenariat avec le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère et le musée dauphinois dans le cadre des expositions Femmes des années 40 et Rose Valin en quête de l'art spolié. L'événement mondial du film d'escalade revient au cinéma Pathé Chavant ce jeudi. Le Real Rock Tour revient avec trois films inédits. High Road dresse le portrait de Nina Williams, se mesurant aux problèmes de blocs les plus vertigineux et difficiles jamais tentés. United States of Jaws raconte le choc des cultures entre grimpeurs de blocs et mineurs de fond. Et dans le film événement de l'année The Nose Speed Record, Alex Honnold et Tommy Caldwell veulent décrocher le record de vitesse le plus rigide. Risqué de l'escalade. Le Maudit Festival est de retour, un festival de cinéma bis, de série B à Z, un festival de nanars, de monstres avec beaucoup de monstres. L'objectif, diffuser des œuvres peu vues, méconnues du grand public ou alternatives aux classiques du cinéma, autour d'une seule thématique, l'horreur. Au programme cette année, Le Renne Blanc, Typhon, Long Week-end, Au-delà du réel et Les Sources occultes. Jeff Panaclock contre-attaque et revient à Grenoble jeudi à 20h au Summum. La famille de Jeff et Jean-Marc s'agrandit avec de nouveaux personnages aussi déjantés les uns que les autres. On retrouve notamment Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.